Aucune résolution, aucun aboutissement, c'est ce qu'on en tire de la réunion qui s'est tenue aujourd'hui entre l'actuel ministre du Travail et les enseignants grévistes. Par contre, chacun des deux partis avait beaucoup à dire. Mourad Demani est du côté de la justice. Pour lui, il faut que les enseignants reprennent leur poste de travail. Il évoque même une situation qui va au-delà des lignes rouges. Premièrement, grève illimitée, ça n'existe pas. Deuxièmement, il y a une décision de justice. La justice, tout le monde doit respecter la décision. On a dépassé la ligne rouge. Quand on voit des enfants sortent dans la rue, je dis la ligne rouge, elle est dépassée. Nous, on cherche l'apaisement. On cherche le consensus. Pour le CNAPEST, il est hors de question de mettre fin au débrayage. Cette séance n'était pas dédiée à la suspension de la grève qui fait partie des prérogatives des structures du syndicat. Ces structures seront convoquées quand nous nous retrouverons autour d'une table de négociation. Cette séance avait pour objectif de trouver des solutions. Nous avons demandé au ministre du Travail de façon officielle d'être un intermédiaire entre nous et le ministère de l'Éducation. Un intermédiaire qui n'a pas été clément avec les syndicalistes. N'oublions pas que la ministre de l'Éducation nationale est passée à l'acte et a décidé d'appliquer rigoureusement la loi à l'encontre des enseignants grévistes.